tired of this fucking beat. Hey, yo, how many y'all niggas gotta do this beat? Yeah, I'm tired of this fucking panda song. I don't stand alone. I just wanna wrap my fucking hands across. Stab the head and break the fucking panda's jaw. Burn him up and turn the fucking candles on. Choke him, beat him, put a couple hammers on him. Dab on a nigga while I'm standing on him. Kick him, punch him, throw him, make him slam the wall. Time to a cannon, make him cannonball to the ocean, make him suffer too. Nigga, this is fucking animal abuse. Animal cruelty on the fucking news. I'ma kill the panda till he bloody too. I'm in the black and blue. Salut à tous, c'est Elin et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui j'ai la chance, et oui j'ai la chance comme vous pouvez le voir, comme vous l'avez vu dans l'intro, de tester une C63 AMGS. Et je peux vous dire que c'est une bête. Donc, je vais vous faire un petit tour du véhicule, même si vous avez déjà vu un peu. On va la compliquer, c'est une C63 coupée. Et bah, vous doutez bien que celle-là c'est la voiture de mes rêves. Bah, pour ceux qui suivent mes vidéos, quand je fais des présentations de véhicules ou quoi, ou quand je fais des vidéos mode GTRP, bah vous savez très bien que ce véhicule, c'est celui que je veux. Mais malheureusement, ça coûte extrêmement cher. Le prix du véhicule est à 130 000 €. Donc je peux vous dire que bah, j'ai pas les moyens quoi, d'acheter ça. Mais voilà, aujourd'hui j'ai l'occasion de tester ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis voilà, vas-y, on va faire un petit tour du véhicule. Donc voilà, donc AMG C63S, 4 sorties de pot. Voilà. Puis voilà, bon, je vais pas ouvrir une présentation non plus en mode automobile, mais voilà, ça, on est sur un V8 et turbo qui va montrer ici. Donc je peux vous dire que V8, c'est extrêmement méchant. Alors moi ce que je kiffe quand même sur ce véhicule, bah, déjà c'est qu'elle est coupée, donc c'est une deux portes, c'est qu'en fait elle tombe vers le bas, tu vois comment ? Genre elle glisse vers le bas, et devant, bah, c'est magnifique, la bande noire. Et bah écoutez les gars, je pense qu'on va tester ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Juste pour information, le véhicule, dans les commentaires, à votre avis, comme ça on joue un petit peu, dans les commentaires, il fait du combien 0 à 100. Et moi je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo. Vous me dites de 0 à 100, en combien de secondes il fait du 0 à 100. Voilà, vous répondez dans les commentaires. Alors au niveau de l'intérieur, bah, on a quoi? Bah, on a forcément, on a toutes les options. Donc, je vous ai pas dit, mais c'est une édition One. Hein. C'est une C63 Edition 1, c'est-à-dire que je sais pas c'est quoi comme truc. Bon, moi je me connais pas trop en voiture, mais je sais juste que c'est une Edition 1, en gros, c'est une édition bizarre quoi. On a quoi d'autre? On a les palettes au volant, ici, qui se trouve ici, qu'on va tester, que j'ai d'ailleurs pas encore testé sur le véhicule, parce que le véhicule ça fait deux jours que je l'ai. J'ai jamais encore testé le mode manuel avec les palettes. Voilà, après la boîte elle est là, la boîte de vitesse elle est là. C'est comme sur la CLA de la salle, exactement la même. Et puis voilà, donc c'est parti, on va monter dans le véhicule, je vais vous montrer les trois autres trucs qui restent et puis on va tester ça. C'est parti les gars. Voilà les gars, on est à l'intérieur du véhicule. Je suis installé, comment vous dire que c'est juste incroyable et je suis juste content de pouvoir tester cette voiture et d'être à ce volant. Je me suis jamais dans ma vie, je vais rouler ça, c'est juste incroyable. Donc voilà, je vais juste vous montrer, je vais pas trop vous saouler non plus avec l'intro. Les sièges, bon, c'est des sièges un peu baqués. Voilà, avec un petit truc AMG. C'est pas mal. Et voilà, juste montrer, je vais pas trop vous saouler non plus avec la présentation du véhicule. Et juste vous montrer donc les différents modes qu'on a. Donc on a le mode confort. Donc le véhicule ne fait pas trop de bruit non plus. On a le sport plus, et on a le mode race. Mais le mode race, celui qui m'a donné le véhicule m'a dit ne mets jamais le mode race, c'est uniquement pour les pilotes qu'on va dire. Voilà. Donc nous on va partir sur un mode sport. Juste ici, on a les bruits de sortie de pot d'échappement. Donc là j'active, je désactive les sorties de pot. Ici on a le start and stop et puis voilà, puis après les autres trucs c'est basique. Hein. Et puis c'est parti, let's go. Thank you.
Donc les gars, vous avez vu un peu ce que ça donnait. C'est juste incroyable. Alors, j'ai préféré pas trop parler pour faire un petit truc ASMR avec la voiture, on va dire entre guillemets. Et voilà, donc vous avez vu à peu près, pour ceux qui ont eu tort, pour ceux qui n'ont pas eu tort, combien ça fait de 0 à 100. Je peux vous dire que la voiture, c'est un monstre, c'est une bête, c'est juste choquant. Donc regardez, je vais faire un départ arrêté, et vous allez voir, s'il vous plaît, la puissance. Donc là, je suis en départ arrêté. J'ai bien activé les sorties de moto, c'est parti. Je suis déjà à 120. Je sais pas ça fait combien de secondes, mais je suis déjà à 120. C'est juste incroyable. La conduite par contre est très différente comparée à ma BMW, elle est 5 fois plus puissante. Et je peux vous dire que c'est juste incroyable. Et en fait, ce qui est difficile à gérer dans ce véhicule, c'est que vous avez vu, quand je conduis, le véhicule a tendance à aller un peu à droite, a tendance à aller un peu à gauche. Et ça patine, donc c'est très difficile à stabiliser. Parce que quand même, elle est sur 510 chevaux, donc c'est énorme. Et puis voilà, donc c'est parti. On va tester les différents autres modes. Moi les gars, là vous voyez mes mains. On va passer à la partie palette. Donc je vais tester les palettes sur la voiture. J'ai jamais eu l'occasion de tester des palettes dans une voiture. Et je vais voir ce que ça donne. C'est la première fois que je teste, les gars. Donc vous foutez pas de moi si je fais nimp. Si je fais nimp, les gars, de moi. On met la ceinture de sécurité bien sûr. Parce que moi qui teste les palettes, ça va être un peu catastrophique. Ok, alors j'enlève le chiffre ici. On met le drive. Alors, les modes palettes, donc je crois qu'il faut. Voilà. Donc là on est en mode palette. Ah ouais. Ok. Là je sais pas si vous voyez mes mains, je vais les mettre un peu plus hautes pour que vous voyez un peu, pour que vous soyez vraiment dedans. Là je me suis remis en mode automatique. C'est reparti. Ok. Ah ouais. Ah ouais, le cri. C'est vraiment rien à voir les gars. En fait les palettes, ça crie. Ok. On refait un petit départ les gars. On se met en mode normal. Voilà, donc là on est en première. Ok, vraiment magnifique les palettes. Donc les gars, je voulais vous montrer un petit truc qu'il y a sur la voiture que je connaissais pas du tout, parce que j'ai pas ça dans ma voiture et c'est juste magnifique. Donc regardez, là je vais mettre le régulateur à 110. Je vais monter un peu plus, allez je vais mettre à 120 on va dire. 120, allez 130. Je mets 130 et il y a une voiture qui se trouve juste ici. Et regardez, là la voiture elle ralentit toute seule. Quand on voit un obstacle en face d'elle, bah, elle ralentit toute seule. Et là actuellement, elle est passée de 130 à 118. Regardez, elle ralentit encore, Là je m'approche du véhicule, elle ralentit toute seule. Et là elle est carrément descendue à 100 au lieu de 130. C'est juste magnifique l'option. Là elle est à 99. C'est-à-dire que là je freine pas, hein. Croyez pas que je freine. Je ne freine pas du tout, mon pied il est là. Je freine pas. Voilà, tu vois. Et c'est pas mal. Donc voilà, c'est une petite option que je voulais vous montrer, un petit bonus comme ça que je voulais vous montrer. C'est juste magnifique. Et puis voilà. Bon bah voilà les gars, il est temps de se quitter et de quitter cette vidéo. Et j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous a plu et que bah, j'ai pu vous permettre de voir à quoi ressemblait une 6.3. Donc on le rappelle quand même. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo. Et voilà, donc merci la personne qui m'a prêté cette voiture, parce que c'est pas la mienne, hein, je le rappelle, jamais je pourrais me payer ça, c'est 130 000 euros les gars, c'est juste incroyable, et merci Batman aussi. C'est à moi la voiture en fait, je l'ai prêtée pour voilà. Ce week-end. Vous la verrez prochainement dans mes vidéos. Si jamais, bientôt il va y avoir d'autres vidéos, peut-être avec d'autres voitures, on verra en tout cas, parce que bon, la personne en soi a des très très belles voitures, mais en tout cas, nous allons voir. Et je vais d'autres rajouter. Magnifique.